j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas plutôt nickel. Hein, bah oui. Hein, parce que là vous êtes sûrement en train de vous demander, mais what the fuck, hein, Furious, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, hein, comment ça se fait qu'il y a cette vidéo? Et bah je vais te l'expliquer pourquoi il y a cette vidéo, je vais te l'expliquer. Hein, écoutez bien ça les amis. Alors, déjà d'une, hein, je voulais vous remercier, hein, comme d'habitude, hein, vraiment pour vraiment cette participation que vous avez sur la chaîne et tout, c'est complètement oufissime, mais cette vidéo n'est pas là pour ça. Cette vidéo n'est pas là pour annoncer une série non plus. Cette vidéo est là pour annoncer un problème. Voilà. Ah oui, là vous allez dire, mais quel problème? Alors, j'ai envie de dire, Ark, what the fuck? Alors pourquoi Ark, what the fuck? Parce que les amis, je vous explique un petit peu ce qui vient de se passer. Alors, normalement, alors hier, hein, si là, parce que là actuellement, là on est samedi, normalement, donc cette vidéo, là que je tourne actuellement, que vous voyez d'ailleurs actuellement, sera, enfin vous la verrez peut-être, vous la verrez peut-être pas, c'est-à-dire si elle est postée, donc là vous la regardez, vous avez vu, c'est fou, hein, et ben c'est que c'est pas bon signe, et si vous la voyez pas, et ben elle sera déjà dans la corbeille de mon ordinateur, tu vois ce que je... Non, pas la corbeille, la corbeille en dessous du bureau, la corbeille sur le bureau de l'ordinateur, tu vois. J'espère qu'elle y sera, tu vois. Donc alors je vous explique pourquoi, si vous la voyez. Alors, déjà d'une, hier, effectivement, vous avez eu le DLC de Ark qui est sorti au lieu, bien sûr, de la série classique. Ça, alors il y en a beaucoup qui ont été, j'ai vu, qui étaient un peu chamboulés, mais je vous le répète, enfin, je vous le rappelle que j'avais annoncé, effectivement, qu'il y allait peut-être avoir un moment, un petit changement au niveau des journées de sortie de Ark. Ça allait arriver que, par exemple, le vendredi, ça allait être le Ark classique, ou alors, d'ailleurs, le DLC de Ark, et inversement. Là, c'était exceptionnel, parce que je vous explique. Je vous enlève même mon casque, et je vais vous regarder bien dans les yeux. Regarde, regarde bien, je te regarde bien dans les yeux, là, tu les vois, mes yeux, tu vois. Je vous explique. En gros, j'ai attendu le dernier moment, hein, tu vois ce que je veux dire, vraiment la fin de la semaine, hein, pour tourner mon ma série, enfin mes épisodes sur ma série Ark Classic. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé, mais je vous le répète au cas où vous l'avez pas entendu, parce que les développeurs de Ark nous avaient annoncé en ce 20 février, donc hier, logiquement je suis en train de me paumer parce que là actuellement où je tourne la vidéo c'est le jour même, tu vois, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, le 20 janvier, pardon, et... du coup, il devait y avoir justement une grosse mise à jour de Ark que j'attendais. Je vous l'ai même dit, ouais, celle-là, je l'attends tellement que je vais même tourner le jour même. Sauf que, déjà d'une, on a eu un gros report au niveau de cette mise à jour, du coup, qui ne vient pas. Alors, je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, on a toujours des choses à faire. J'avais prévu d'autres choses et tout, je vais pas vous spoil. Hein, il y avait plein de choses à faire, etc. et tout. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand ils nous ont fait une micro-mise à jour, parce qu'ils font aussi des autres mises à jour pour d'autres choses, comme par exemple, ils ont sorti une mise à jour pour Primitive, et ben, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et bah je vais te le dire ce qui s'est passé. Et bah tu peux plus jouer sur la map The Island et tu peux plus jouer sur les autres maps, sauf sur le DLC de Ark, comme des par hasard, hein. Ah non mais c'est, franchement, c'est un truc de malade. Je veux dire, c'est au moment où j'arrête ma série sur le DLC de Ark que, et bah bien sûr ils se disent, ah bah comme ça t'arrêtes la série sur... Et bah je suis pas d'accord. Et bah non, bah tu ne pourras pas retourner sur The Island. The Island, je vous rappelle, c'est la map où je fais de simplement ma série coop avec Oxy, et aussi également où je fais ma série solo avec mon Titanosaurus, à tout le monde, tu vois. Et du coup, bah je peux pas tourner. Je peux pas, voilà. Donc du coup ça fait que je fais cette petite vidéo informative pour vous dire, les amis, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas Ark, c'est normal. C'est-à-dire que les développeurs ont un gros problème. Ça fait, il paraît, ça fait très longtemps que ça leur était pas arrivé. Ça faisait 5 mois que ça leur était pas arrivé, un gros bug comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer tout simplement en solo ou autre sur cette map The Island, donc la map classique de Ark. Et ils sont sur le coup, voilà. Normalement ils sont sur le coup, il y avait déjà des mecs qui disaient ouais, mais il faut tout supprimer et tout. Alors j'ai dit oh, non, ouais, oh, et on va attendre le patch. Donc voilà, du coup, alors, pour rester dans le what the fuck, je me suis dit, eh ben, autant leur montrer un truc what the fuck. Voilà, et je vous le montre, voilà. Vous ne rêvez pas, les amis. Alors, on est sur un DLC de Ark, mais c'est exceptionnellement, bien sûr. Et on est avec une Wyvern du futur, la Wyvern 2.0 que j'ai nommée, donc la Wyvern God. Voilà, donc je voulais vous la montrer, hein, parce qu'on est au what the fuck. Alors, du coup, je me suis dit, eh ben, vas-y, on va rester, hein, après tout. Hein, j'allais pas ne pas vous sortir d'idéo et vous mettre un tweet... en disant, ah bah y'a pas de vidéo là. Non, je ne suis pas comme ça. Je tiens énormément à vous et je vous comprends tout à fait que vous attendiez absolument Ark ou telle série ou autre sur la chaîne. Je suis d'accord avec vous, je sais ce que ça fait. Parce que moi aussi, tu vois, quand j'attends une tu vois, comment dire, la suite d'une série, hein, et bah tu vois, je veux absolument la regarder, tu vois. Donc voilà, donc je sais ce que c'est. Et du coup, bon, voilà, ça sera pas un épisode de taré, hein, là, je vous le dis tout de suite. Et la Wyvern, là, enfin après tout ça, ça sera fini, hein, le DLC de Ark. C'est parce que je voulais absolument au moins se retrouver sur une map où vous pouvez se retrouver, c'était déjà bien. Et au moins faire ça.
Voilà, donc du coup, bah écoutez, ne vous inquiétez pas. Si, comment dire, vous n'avez pas vu de vidéo sur Arc Classic là, de ce week-end là, et bah c'est normal, c'est pas de ma faute malheureusement. C'est bien sûr les développeurs, ils sont sur le coup. Alors par contre, alors je me rattrape deux fois plus. C'est-à-dire que déjà d'une, je vous fais cadeau de cette vidéo. J'aurais été, enfin je veux dire, c'est vrai que ce sera pas une vidéo autant super cool que mes vidéos sur mon aventure de Arc, que ce soit Classic ou autre. Mais voilà, je vous offre cette petite vidéo quand même. Et surtout les amis, du coup, quand ils nous auront rétabli le serveur, eh ben je tournerai le week-end, même pour vous donner du coup quand même les épisodes classiques de Arc, c'est-à-dire le vendredi et le mardi. Et du coup, si jamais ils ont rétabli le truc, si jamais c'est rétabli, eh ben le dimanche. Eh ben dimanche, demain, donc normalement c'est demain, eh ben vous aurez une vidéo. Et si c'est rétabli que dimanche ou autre, eh ben lundi vous aurez une vidéo. Et si jamais c'est rétabli que mardi, j'espère quand même, parce que normalement c'est mardi que sortirait le deuxième épisode, tu vois ce que je veux dire. Et ben vous aurez deux vidéos Arc le mardi. Ou alors, je vous en ferai une mardi, une mercredi. Enfin, ça va être un truc de taré. En gros, enfin voilà, vous aurez plus de Arc que d'habitude. Mais je ne décalerai pas, comment dire, ma série Arc classique ou mes vidéos Arc classique. J'ai pas envie de dire, ah bah ouais, mais ah bah je l'ai pas tourné parce qu'il y a un bug, mais bon, bah voilà, maintenant on peut pas la tourner. Et bah si, vous l'aurez quand même, voilà, même s'il y a 3 vidéos par jour, vous l'aurez, voilà. C'est normal, je trouve ça tout à fait normal. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, et bah écoutez, et bah cette mouille merde, et bah j'ai vu ça sur le workshop, et je trouvais ça ouf, parce que quitte à quitter une dernière fois, bah du coup, en beauté, le DLC de Arc, et bah les amis, et bah j'ai envie de dire, bah, pourquoi ne pas essayer cette Wyvern God, God du futur, hein, bien sûr, level 150 000, et qui crache bien sûr des trucs électriques. Voilà, normal. Par contre, vous avez remarqué, elle est un peu plus petite que les autres. Mais voilà, c'est une Wyvern électrique level 150 000. Voilà, donc clairement, je pense que là, voilà. Tu vois ce que je veux dire, là le rayon de la mort, il tue absolument tout le monde ce rayon de la mort, regarde-moi ça. Y a pas de problème, pas de perte d'énergie, regarde le kangourou et y a plus rien du tout. Regardez, on va aller voir les T-Rex pour le fun, voilà. En tout cas, j'ai vu quelques retours, parce que bon, j'attends en général plusieurs jours pour voir vraiment vos retours sur Arc. Et j'ai vu que vous étiez tous très émus, beaucoup très tristes par rapport justement à la fin de Arc, malheureusement, à la fin de la série Arc, le DLC, hein, bien sûr, la série classique ne s'arrêtera jamais, hein, je vous le dis tout de suite, sauf si vraiment le jeu est mis à l'abandon, mais je l'espère pas. Mais j'ai vu que... Non mais c'est où ce laser? Wouhou! C'est excellent, c'est génial, oh là là, elle one-shot tout... En fait, voilà, vu son niveau, elle one-shot tout le monde, et en plus, elle n'a pas de perte d'énergie. Voilà, donc on va aller voir une petite Wyvern si on peut, et elle va super vite. Donc ouais, voilà, pour revenir à ça, donc bah merde, ça m'a fait super plaisir, du coup je peux vous parler de ça. Vraiment, que ce soit la série Cop avec Oxy, que ce soit le DLC de Arc, que ce soit ça, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous partagez les vidéos, et ça c'est vraiment très cool, vous la likez, c'est génial. Quand je vois que je suis en tendance YouTube, c'est encore mieux. J'en parle pas beaucoup parce que je trouve que c'est un peu voilà, trop abus de soi-même parfois, et j'aime pas trop ce genre de choses, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Comment dire, je veux dire, c'est complètement ouf, je voulais vous remercier, et merci beaucoup. Franchement, c'est génial. Attendez, là, on va tuer la merde. Ah ouais, non, j'arrive pas à le toucher. Comme quoi, il est pas si, il est pas si précis que ça, ce laser, hein. Ah, elle aussi, elle tient. J'arrive pas à la toucher ou quoi? Ah, oh, peut-être qu'elle prend pas les dégâts. Attends, on va juste la croquer, fais voir. Hop là. Oh la puissance! La puissance! Je suis jamais monté en haut de ce truc. On peut passer à travers? Non. Ah d'accord. Ok, donc le truc c'est un vulgaire PNG quoi. Ah non. Oh non, je veux pas revoir ça. J'ai pété le mythe. J'ai pété le mythe. Enfin voilà, donc du coup c'est vrai que ça m'a un peu embêté parce que. Bah. Je peux vous assurer, j'ai vu des. Comment dire? Parce que moi en général, quand j'ai un problème sur Arc ou quoi, je vais pas dire. Oh bah! C'est bon, hein, j'ai mon après-midi, je tourne pas. Non, 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 non. Non, non, je passe tout le temps, plusieurs heures, pour essayer de trouver une solution. Et je vous jure que, bah, malheureusement, là, bah, y a rien à faire. Voilà, donc, et ça m'embête parce que quand on est dépendant du jeu, on peut absolument rien faire.
Et ben vous savez ce que ça fait, hein, c'est très chiant, vous êtes obligé d'attendre et c'est très chiant, voilà, c'est très chiant. Et du coup, bon bah, c'est vrai que tout, y a beaucoup de gens qui ont gueulé par rapport en plus à ça, et ça a fait plus de pression à cause du fait qu'ils ont dit, ouais, bah la mise à jour, alors 2 semaines de retard. Oh, alors ça, les gens commencent à énerver un peu le monde, mais bon, voilà, cette mise à jour va changer beaucoup de choses dans le jeu, surtout sur les serveurs, ça va beaucoup changer l'aspect de Ark, il y a beaucoup de gens qui sont pas très d'accord avec ça, mais on en reparlera quand ça viendra. Je trouve qu'on va pas en parler alors qu'elle est pas encore sortie, donc, mais voilà. En tout cas, bon, pour la mise à jour, c'est pas bien grave, je comprends tout à fait les devs, je préfère qu'ils retardent, j'ai envie de dire, le jeu, enfin, la sortie de la mise à jour avec ces 5 nouveaux dinos qui vont sortir, je vous rappelle, 5 nouveaux dinos, mais la sortir bien plutôt que la sortir tout de suite et qu'elle soit complètement buggée, comme on a eu avec le Kraken. Je vous rappelle que le Kraken, il a fallu attendre 10 jours pour pouvoir le tame parce qu'on pouvait plus lui donner les perles. Eh oui, donc voilà, donc c'est bon, ça c'est un bug qui est corrigé depuis une semaine ou deux maintenant. Et du coup voilà, donc mais par contre ce qui fait grincer les dents, c'est effectivement voilà ce bug de The Island où on peut tout simplement plus jouer. Voilà, et on n'a toujours pas de retour par rapport à ça. Donc voilà, donc je suis désolé de sortir cette vidéo là. C'est un petit peu la facilité, mais voilà, écoutez, c'est pas vraiment la facilité, mais regardez, c'est tout le fun du laser. Voilà, du laser. Je sauvegarderai pas bien sûr. Bête aussi facilement. Non, mais c'est là que tu te rends compte quand même. Et regardez, je me suis pas posé une seule fois. Regardez la barre d'énergie. C'est un truc de malade, hein. Hein, donc, je vous rappelle que le nom du mode, c'est tout simplement. Ah, y'en a un qui vole aussi haut que ça, les trucs. C'est tout simplement Wyvern God. Voilà, donc c'est bah, une magnifique Wyvern. En mode trône. Mais elle est magnifique, hein. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une belle bête, ça. C'est une Wyvern robotique, en gros. C'est ça, une Wyvern robotique. Voilà. Donc, ça m'embête grandement et vraiment beaucoup de sortir ce genre de vidéo pour vous dire désolé, je peux pas tourner parce que, bah. Et en plus, ça fait depuis 24 heures que, apparemment, The Island n'est pas disponible. Mais je m'en suis pas rendu compte parce que moi, je farmais sur le DLC de Ark depuis quelques jours. Et du coup, voilà. Donc, j'espère, bah, écoutez, qu'ils vont nous rétablir au plus vite le jeu, hein. Je suis désolé les amis, j'espère que vous comprendrez, je suis vraiment désolé. Dès que je suis au maximum, comment dire, la sortie de la mise à jour qui va corriger ce bug, j'espère qu'il y en aura une. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut supprimer la map, et moi c'est hors de question, je ne supprimerai rien du tout. Et puis je vous jure, dès que le patch est sorti, je vous tourne la vidéo et je vous la sors le plus vite possible. Voilà, ça c'est clair et net, même si... admettons je peux la sortir que mardi parce qu'eux ils l'ont fait la mise à jour que lundi ou mardi. Et ben il y aura 2 épisodes de Ark et un épisode de Minecraft. Je m'en fous, voilà, c'est pas grave, vous aurez double bonus. En tout cas je ne décalerai pas la série Ark à cause de cette erreur de leur part. Je les comprends tout à fait, ça arrive de faire des problèmes, d'avoir des bugs par rapport à ça. Donc en tout cas voilà, donc et ben écoutez les amis, j'espère en tout cas que je n'aurai pas à sortir cette vidéo, hein. Si ça se trouve juste après là mon tournage actuel que je viens d'effectuer pour vous, là peut-être qu'ils auront mis à jour le jeu. Si c'est le cas, et ben tant mieux. C'est à dire que vous ne verrez jamais cette vidéo. Et bah écoutez, si c'est pas le cas, bah vous verrez cette vidéo. Et ça veut dire qu'en gros, s'il vous plaît, soyez juste patient. Je sortirai la vidéo le plus tôt possible quand les développeurs auront corrigé le problème. En tout cas, et ben merci à tous, hein, de me comprendre, hein. Excusez-moi, je peux pas vraiment, je suis pas le créateur du jeu, donc je peux pas le modifier comme je veux. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, on aura bien rigolé, regardez, avec cette incroyable bête, on aura beaucoup parlé, ouais, ça fait du bien de parler avec vous aussi. Et puis voilà, je vous dis, et ben écoutez, et ben, ben merci beaucoup, ouais, de votre compréhension. Si vous voulez liker la vidéo, vous pouvez tout à fait le faire, à mon avis, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais si vous voulez liker, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis dans tous les cas, merci à tous, soyez patients, je sors la vidéo le plus vite possible. Ciao les amis.